Luc Mélenchon, vous avez du retard, allez-y. Alors, bon, d'abord, commençons par montrer les instruments dont on peut disposer pour passer d'un état à un autre, hein. L'état calamiteux dans lequel nous vivons à un autre. D'abord, il faut tuer de l'intérieur la machine à accumuler d'une manière somptuaire et extravagante des fortunes considérables qui ne servent à rien et qui éclatent ensuite dans la bulle financière. Donc moi, je propose le salaire maximum, qui est la revendication de la Confédération européenne des syndicats. Pas une entreprise où le salaire d'en haut est 20 fois supérieur, plus de 20 fois supérieur, au salaire le plus bas. Donc on commence comme ça. On peut faire moins, hein. On peut faire de 1 à 5. Aujourd'hui, c'est la proportion qu'il y a dans les entreprises de l'économie solidaire. Deuxièmement, il faut taxer le revenu maximum. C'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à des gens de disposer de revenus au-delà de, pareil, 20 fois le revenu médian, parce que de cet argent, ils ne font rien. Il faut ramener l'argent dans le réel, dans la production. Il ne faut pas faire ce que dit Mme Le Pen. Elle dit qu'on va augmenter les salaires de 200 euros en faisant prendre en charge les cotisations sociales. Elle a l'air d'ignorer que jusqu'à 1,6 du SMIC, les cotisations sociales sont plus en charge pour l'État. Et l'échelle mobile de salaire, vous êtes pour, monsieur ? Marine Le Pen, il nous reste une minute. Non, attendez, il me reste une minute, donc j'ai que le temps de dire ce que j'ai à dire et pas de vous répondre, madame. L'échelle mobile des salaires, vous êtes contre. Je trouve aberrant de payer 200 euros sur la base des impôts plutôt que de les prendre dans la poche de ceux qui les ont, c'est-à-dire de la puissance financière. Quant à moi, voici ce que je veux pour l'économie. Un pôle financier qui vienne appuyer la planification écologique, c'est-à-dire la grande bifurcation de tout l'appareil productif d'échange et de production de ce pays. Voilà ce que je veux faire, par exemple, je l'ai dit mille fois, mettre tous les camions sur des trains, organiser un nouveau réseau de géothermie profonde pour prélever de l'énergie gratuite et abondante, et ainsi de suite. La planification écologique, le pôle financier public, le salaire maximum et le revenu maximum, avec ça, quoi. Vous avez les quatre... Non, c'est pas l'Union soviétique, il n'y a pas de Gosplan là-dedans, vous êtes mal renseigné. Bien.